fait, tu veux m'attaquer moi alors qu'il y a 3 à côté qui te fait un doigt d'honneur. Mais 3 c'est à moi déjà, pour commencer. Justement. Disons qu'une guerre entre moi et Vince, ça ferait mal quoi. Ouais, il a une, quand même une grosse. J'ai une énorme armée très défensive en fait. Alors Nis, on se met d'accord, tu me donnes Lyon? Non. Alors la guerre. Vince, quand est-ce que tu es chaud pour aller tabasser? Oh, dans un ou deux tours, hein, c'est bon. Hein. Ouais. Quand même, la moyenne des armées, c'est 322 000 hommes, hein, c'est pas mal. Vince, tu m'as dépassé de 1000 hommes. T'as donc techniquement, Nis va se faire attaquer par plus de 700 000 hommes. Ouais, punaise, j'ai 50 000 hommes de moins que vous, ça fait beaucoup à rattraper. Je fais 1400 de science. Waouh, 1000. Je suis à 1390. Oh putain! 1139 seulement. Et je finis robotique là. Bah en fait, moi j'ai pas fait Manhattan ni aucun programme nucléaire. Putain d'IA quoi. Ah oui, et puis avant je gagnais plus de 140 par tour hein. Allez, mange plus 12 de putain, tous les accords qui ont dû s'annuler. Et voilà, des putains de rebelles barbares. Et c'est reparti. Oh non, il a annulé mes constructions en cours. Putain, mon stade et compagnie, mais quelle espèce d'affreux singe. Oh, et toute mon armée qui a été déplacée, alors ça me pète les couilles. 409 000 hommes. C'est assez monstrueux, je dois dire. En entretien, 474. T'imagines s'il avait pas d'armée, je serais riche. Oh, des cuirassés néerlandais. L'Espagne et l'Allemagne sont amis. La grande alliance. Quoi? L'alliance. Ok, normalement, mon armée est déployée, ça y est. J'aurais mis le temps. Ah, c'est pas juste, j'ai fait le programme Apollo, mais je vois pas toute la map. Il faut avoir les satellites. Les satellites. Moi, donc, dans 5 tours, je les ai. Putain, cette armée hollandaise. Bah, je sais plus où la mettre. Hein. Moi, pareil. Mon âge d'or, c'est fini au tour prochain, je crois que. Ça va piquer. Ouais. Ah oui, je vois un hélico barbare encore près de Hipporidius. C'est de l'infanterie, Seconde Guerre mondiale. C'est encore plus chiant. Vince, je suis à 74 points derrière toi. Ah, j'adore les courses à l'armement, c'est quand même vachement drôle. Ah oui, maintenant je vois des hélicoptères, avant c'était de l'infanterie. Ah, l'allemand m'a dépassé en soldat, oula. Ouh, ah bon, ça chie, yeah. Ça chie de la troupe, hein. Bon, je viens de retrouver le niveau de science que j'avais avant de perdre mes deux villes. T'es remonté à 1500? Ouais. Putain, joli. Wouah, ça y est. Vince, la pire route commerciale que j'avais entre Fort Adria et Amsterdam. Putain, mais t'attaques comme tu ça. Tu as un pack de défense jouant avec Nis. Tu sais qu'on va perdre énormément d'argent et tout, hein. Ah, ah ouais, mais là, je suis dans la merde, je suis moins 40 avec t'as... Ouais, et si moi, je déclare la guerre là, ça, t'as pas été très malin de faire un pack de défense, hein. Mais putain, mais en même temps... Allez, bon... Je... Oui, bah oui, et bah... Et bah non, c'est l'autre con qui t'attaque, je pense que tu étais arrangé avec lui. Oh, vous faites chier avec vos connards. Avec Vince. Eh ouais! T'as pas et compris, les deux hein. Veulent m'attaquer en fait. Chaque fois c'est la même chose. À chaque fois c'est je pointe le dindon de la farce. Mais putain, tout le monde peut le voir quand on fait un pack de défense. Oh putain, je viens de perdre 5 routes de commerce. Ça fait mal hein? Ah ouais? Ah ouais, Nisnis il prend aucun dégât en fait. C'est juste affreux. Nisnis il a toujours 44 d'or par tour. Nisnis on fait une paix blanche? Oh y'a un enculé avec sa perceuse, sans déconner, juste quand je filme. Mais y'a des fils de pute quoi. Bon, je suis un peu dans la merde en fait. Cette guerre n'était peut-être pas une bonne idée. Surtout toi qui as tellement d'accords commerciaux. Bah, c'est surtout toi en fait, Chouan, qui m'a foutu dans la merde quoi. Ouais, on va faire une petite paix blanche, Nis, si ça t'intéresse. Sérieux quoi, le traître. Ouais, je peux pas. J'ai 17 de désapprobation. La lâcheté, j'ai jamais vu ça. Il prend aucun dégât en plus, le machin quoi. Bon, 10 tours, Vince. Hein. Tu as 10 tours pour en finir avec Nis avant que moi-même j'arrive. Tiens, Nis, je t'ai fait un petit accord. Hein. Ça sera toujours la faute de Chouan. Hein. Oh, allez vous faire. Quand je vais dans le portail diplomatique, c'est genre, tu vas voir dans Politique Mondiale, c'est machin, trahison de Nis, trahison de Maxi, trahison de Vince, trahison de Petit. Ah, l'Allemagne, tu fais quand même 55 de tourisme, bien joué. Putain, j'en fais 8 quoi. Ah, Pays-Bas 84. On va peut-être plus faire une petite victoire culturelle avec ça. Chouan et ses victoires culturelles. Mais y'a plus que comme ça qu'on peut gagner, vu que avec les règles de la guerre là, et par la science, c'est quand même difficile. Hein, ouais. Que... Ma stratégie de repli sur mes. Chez moi, ça a été cool. En même temps, je suis surpris que tu prennes aussi peu de dégâts, t'sais. C'était bien joué de la part de Pépé, tu vois. Apprends un grand plan signé Pépé, tu vois. Pépé, mine de rien, il s'est pas fait éliminer parce qu'il a fait trop de merveilles, tu vois. Apprends la dure. Les grands plans de Pépé, parfois ils marchent, parfois. Sur un accident ou un coup de bite de traviole. J'ai l'armée la plus nombreuse du monde et le nombre ça compte avec les upgrades. Bon. Ça veut dire que je suis plus puissant que toi, Vince. Sens-tu Vince. Le souffle chaud de Nis sur ta nuque? Oh, toi, t'as même pas à parler. Hein. Oh, ça va. Traître quoi, sérieusement? Bah, il a essayé. Je perds moins 50 d'or par tour et j'étais à 17 de. T'en perds 74, je chiale pas. Hein. J'étais à 17 de mes contentements. 17. Alors, putain, mais tout ce que je perds en thunes, oh là là, j'ai peut-être fait railler quelques armées en fait. Je suis venu, j'ai perdu, Vince. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? T'as pas perdu, t'as baissé ton froc. Excuse-toi d'être une merde, je ne sais c'est pas. Ça, je suis une merde. Je vis très bien, Chouan, tu sais. D'ailleurs, oui, j'ai 1000 d'or, je devrais acheter des trucs. Je vais bientôt finir les satellites, je vais pouvoir voir enfin toute la carte. T'as de l'infanterie méca? Tu vois, non? Oui, mais je comprends pas les icônes. Non, mais le pire, c'est que c'est tellement vrai. Moi aussi, la première fois que Max m'a sorti les méca. Mais c'est quoi ce truc? Techniquement, dans 9 tours, Max va rentrer en guerre, c'est ça? Oui, ça doit être ça, ouais. Peut-être que Pépé serait intéressé par Breda. Pépé va arrêter de parler de lui à la troisième personne. Pépé n'a rien à faire déjà.
Le problème de Breda, c'est que c'est très accidenté comme terrain. Très chouant, il a déjà refait une chier de route de commerce avec moi, tu sais. Oh, moins 50 d'or partout, malheureusement. Moi, je suis remonté à plus 70, ça fait plaisir. Moi, là, je pensais avoir plus de sous, mais en fin de compte, j'ai beau me faire 200 avec le commerce, j'ai seulement plus 15 en or. C'est ton armée qui coûte super cher. Ah oui, mais là, l'armée, j'ai... Elle coûte moins 350 d'entretien, mon armée. Wow. La mienne, elle coûte 400. La flotte néerlandaise, elle recule. Tu veux que je fasse quoi? Que t'ailles te faire foutre. Je vote contre l'arrêt de la non-prolifération. Moi pareil, hein. Ça m'arrangerait pas parce que j'ai pas fait Manhattan. Moi non plus. J'ai sacrifié Manhattan pour avoir des satellites. Pour moi, Chouan, ce sera 2000 francs. Alors, qui c'est qui va construire la station spatiale internationale? Faut assez d'alu déjà. Ah merde, je suis déjà bien baisé, tu sais. Et ça coûte extrêmement cher en production, alors on aura fini la game avant, je pense. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai essayé de faire une pièce, tu vois, ça m'a mis 10 tours dans ma ville la plus productive. Allez savoir pourquoi Munich crie famine. Ah, je fournis plus de pétrole à PP, ça c'est bien. Oh, c'est pas sympa. Tu fais combien de science, Max, en comparaison de moi? 1569. Putain, 1520 quoi, on se touche. Belle armée, Vince. Mais je dirai rien par respect pour nos anciens accords. Je ne dirai rien de ton déploiement. Bah, je sais très bien que derrière il y a les lance-roquettes et que derrière il y a les SAM. Je suis monté à plus 300 d'or par tour. Avec la pénicilline, je vais avoir une route de commerce supplémentaire. Tiens, t'as tiré tes missiles guidés, c'est avec ça que t'as détruit mon cuirassier. Ouais, ça achève bien en fait. J'ai plein de destroyers barbares là, ça fait chier. Tu sais qu'à côté de Harlem, tu as un petit camp barbare? Sans blague. Non, mais... Ah ça y est, je vois le char romain. Chouan. Oh oui. Ah, c'est mon tour, j'ai perdu quoi? Un cuirassé, oh le bâtard. T'as les Romains en train de se faire violer par la bite mécanisée de Vince. La bite mécanisée, ça me fait penser à la version porno d'Inspecteur Gadget que je regardais quand j'étais jeune. Quoi? ça existe? Un vieux hentai fait maison. D'ailleurs, j'ai 1500 d'or, faudrait peut-être que je pense acheter des trucs. Je suis à 1 de mes contentements. Je me rappelle plus la dernière fois que c'est arrivé. Cylindre, j'avoue que... Ah, si, en plus, je suis à 0 de bonheur. Si je donne Cylindre, je remonte, hein, tu vois. Donc... Ah bah, si tu veux, hein, ça évite pas une guerre. Oh, ça serait beau. Tu as 4 tours pour te décider, Vince. Putain, je suis obligé d'envoyer des lance-roquettes sur la côte pour nettoyer les barbares, quoi. En late game, ils coûtent tellement cher, les ouvriers. 3, son charbon, ses oranges, ses châteaux. J'avoue, 3, c'est une ville tellement magnifique, quoi. Son uranium. Ouh, t'es en âge d'or, Pépé, pour avoir autant de... Non, je suis pas en âge d'or, t'imagines? Et j'ai encore une route de commerce qui arrive, là. Bon, normalement, au tour prochain, c'est fini pour la Space Station. Ah, déjà? Putain. Bon, j'en ai fait 2500, donc j'imagine que vous n'avez pas fait beaucoup. Non, j'ai rien fait, moi. 2500, putain. J'ai 1400. Bon. Le Hollandais avec 70 millions de population. Ouais, Max va gagner en scientifique et voilà. Tu lui as laissé reprendre la ville. Comme si j'avais eu le choix, tu sais. Parce que je ne pensais pas attaquer si facilement. Je croyais avoir un ennemi honorable en face. Dans cette partie, le seul à peu près honorable, c'est Chouan. C'est clair, bien mal lui en a pris. Le Girac aussi a été honorable. On sait comment ils ont fini, du coup. On sait comment ils finissent, les gens honorables. Hein. Ah, je vois toute la carte. Ça y est, monsieur a fait les satellites. Ouais, mais Max va peut-être m'attaquer. Peut-être. Un peu, ouais. Il a des blindés modernes. Hein. Oh, la petite ville allemande dans le Nouveau Monde, j'avais pas vu. À la base hollandaise. Une ville que t'as fondée de tes propres mains. En plus, le Nouveau Monde est pillé par les barbares, là. Parachutiste barbare. Là, Max est passé devant largement. Hein. Et Max, personne va le nerfer, là, jusqu'à la fin de la game. Au prochain tour, Pépé, j'attaque. Donne, ou alors tu me passes Equilia. Bah, Steve qui claque sa bite et qui récupère 2 villes sans même perdre un homme. Vince me menace de guerre. Je peux me permettre de perdre Equilia, mais je peux pas me permettre de perdre 3 en fait. Bon, on arrête là? C'est bon? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas donné 140 d'or à Max, si je l'avais attaqué avec vous? Bah, tu lui as surtout donné la victoire, tu vois. Ah oui. Merci. Je me souviendrai à vie, je te serai redevable. Nice, toi t'as donné des avantages aux autres, au final toi t'es... Bah, t'as rien gagné, t'es avant-dernier. T'as rien gagné. Au final ta game, oui, elle est amusante, mais voilà quoi. T'as fait chez Vince, ça c'est sûr. Ah ça. Bon, GG Max, je pense là, rien à dire, hein, belle victoire hein, sur la fin. C'était compliqué, hein. je me suis quand même fait peur lorsque vous êtes mis à 2, à 3 même contre moi. Oui, je crois qu'à part Ghost, tout le monde s'est fait gangbang. C'est fait gangbang à un moment ou à un autre sur cette game. En tout cas, moi, je suis content du résultat final. Mmh. Spéciale mention à Nisnis et moi, quand même. Première game, on va dire, vraie game sérieuse sur Civ 5. 90 heures de jeu cumulées à nous deux. On n'est pas premier parce qu'on manque clairement en termes d'optimisation, mais on a fait une belle game. Hein. Mais non, en tout cas, bravo à tout le monde. Merci d'avoir tous été là, présents le dimanche. Je crois qu'on a vraiment joué tous les dimanches. Hein. J'arrive même pas à tenir le rythme de montage, hein, tellement mes disques durs dégueulent de Civ 5. Merci à vous d'avoir été présents, d'avoir joué. Et vivement la prochaine game. Hein. J'espère que la game vous a plu à vous aussi, les joueurs. Ah oui. C'était vraiment sympa. Le gameplay de Ghost a été clairement perdant à tous les niveaux. Quoi. C'est bien de faire des villes à 20, mais au final, on se rend compte que globalement. Y a pas que la population, la preuve ni. Mais quand je pense qu'il il était vraiment juste à côté du Nouveau Monde. Il a le placement. Westpiror et Quindary, putain, y a une merveille.
il a une naturelle juste une, à côté. 2, 3, 4, 5. Il a 5 villes sur la mer, plus 5, 6, 7. Il a vraiment. Et en plus, ouais, il a Singapour qui a vraiment un bon tremplin et tout. Et non, il aurait vraiment pu être bien, mais bon, voilà. Donc voilà, merci à vous tous. Merci d'avoir suivi la game. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, rendez-vous prochainement pour une autre. Hein. C'était Petit Poussé avec tout le monde. Et on vous dit à ciao. Ciao. Salut.